want me to affect you. Mais ceux qui étaient dans la maison pendant que ça se produisait, eux ils sont où? On veut parler à ces gens. Ah, hein? Ça c'est le problème, moi j'étais pas là. Ah, aidez-nous à voir ces gens-là. Merci, moi j'ai été alerté par le DG de Grasse gouvernement à un incendie au dépôt de l'ARPT. Immédiatement, je me suis rendu sur les lieux. Vraiment, c'est un grand feu, parce que c'est un feu hydrocarbure. Bon, on a circonscrit le feu. Donc, notre travail ici, pour le moment, c'est pour éviter la propagation vers les autres bâtiments. Parce que l'endroit, il y a la cité à côté, il y a la maison centrale, il y a les bâtiments d'habitation. Que savez-vous de l'origine du feu? Bon, pour le moment, je ne peux pas vous dire l'origine du feu, la cause effective. C'est le travail qui continue d'abord. C'est après tout maintenant qu'on peut faire les enquêtes. Quels sont les moyens à votre disposition aujourd'hui dans le cadre de cette opération? Est-ce que vous en avez suffisamment? Effectivement, on a déployé 18 camions. Et tout ça, c'est pour confiner les autres bâtiments. Parce qu'il y a de ces feux, on peut circonscrire. Et pour ne pas que ça propage vers les autres bâtiments. Donc c'est ce qu'on est en train de faire pour le moment. Alors comment se passent les opérations? Les opérations se passent très bien. Pour le moment, il n'y a pas eu de dégâts au niveau des sapeurs-pompiers et ni les autres services d'appui comme Tupaz et Lagipresse.
tout se passe très bien pour le moment. Et comment elles sont coordonnées, ces opérations? Elles sont coordonnées comment? Est-ce que c'est la protection civile qui gère tout, qui tient le lead, ou bien il y a une autre unité qui tient le lead? Effectivement, quand il y a une crise, toujours il y a une DOS, c'est le directeur d'opération et secours. Parce que ça, ce n'est pas un petit feu. Donc ça, c'est le ministre qui est le coordinateur, le ministre de la Sécurité, c'est lui qui est le coordinateur. Moi, je le rencontre. Parce que quand ça a un certain niveau, il faut un niveau de responsabilité. Vous êtes quand même le directeur de la protection civile. Il y a au sein de la population aussi beaucoup de personnes, certains qui ont été touchés dans leur domicile à cause de la déflagration de l'explosion. Est-ce que vous avez une idée du nombre de dégâts qui a été causé à ce niveau? Non, je ne peux pas vous parler pour le moment le nombre de dégâts, mais quand même il y a eu les victimes. Mais c'est après le travail qu'on peut vous dire, il y a combien de morts, il y a combien de blessés, et ainsi de suite. Vous êtes quand même un spécialiste du feu. Qu'est-ce qui risque d'arriver après cet incident? Non, vous savez, il y a les classes du feu. Ça, c'est un feu hydrocarbure. Le feu hydrocarbure et le feu sec, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas l'eau seulement qui éteint le feu hydrocarbure. C'est la mousse. Bon, mais ce qui est clair quand même, il y a plus de peur que du mal. Est-ce que vous avez suffisamment de mousse pour éteindre ces feux? Effectivement. Vous en avez suffisamment? On a suffisamment de mousse pour éteindre le feu. Mais c'est ce que je vous dis tout de suite là. Il faut se reconstruire. Il faut éviter parce que le dégât est déjà consommé. Mais il ne faut pas que ça se propage vers les autres bâtiments. Peut-être que vous ne connaissez pas le nombre de morts, mais est-ce qu'il y a des morts? Pour le moment, je ne peux pas vous parler de ça. J'attends les comptes rendus. Ouais. Et quels sont les moyens à la disposition de la protection civile aujourd'hui? Parce qu'on vous entendait tout à l'heure dire que vous aviez prévenu, comme si vous saviez ce qui allait advenir. Les moyens qui sont là, ça c'est les camions d'incendie. On a déjà déployé beaucoup de camions d'incendie. Et il y a les services d'appui aussi, il y a Topaz aussi qui a envoyé les camions, il y a l'Agipress. Et il y a nos propres services aussi ont déployé 7 camions. Pour le moment, on a 18 camions qui sont déployés sur le terrain. Merci. Gracias.